Le café arabica. Nom latin, Coffea arabica. Famille, Rubiacée. Nom commun, Caféier d'Arabie. Propriété. Stimulant respiratoire, gastrique et rénal, diurétique, antilytique, digestif, péristaltique, fébrifuge. Augmente l'action réflexe et l'activité mentale. Des études ont suggéré des effets antioxydants, gastro-intestinaux et nerveux, des propriétés protectrices de la peau, antibactériennes, cicatrisantes, anticariogènes, anti-inflammatoires et anti-leishmaniennes. Il est rapporté comme étant analgésique, aphrodisiaque, anorexique, antidote, cardiotonique, stimulant du SNC, contre-irritant, diurétique, hypnotique, galactagogue et nervin. Parties utilisées. Graines et feuilles. Distribution. Afrique, région tropicale du Nord-Est, Asie. Botanique. Le café arabica est un petit arbre lisse atteignant une hauteur de 3 à 5 mètres. Les feuilles sont elliptiques ovales à elliptiques oblongues, longues de 8 à 15 cm, brillantes et pointues aux deux extrémités. Les fleurs sont blanches, portées en fascicule à l'aisselle des feuilles. La corolle mesure 1,5 cm. Le fruit est rouge, ovoïde ou ellipsoïde, de 1 à 1,4 cm de long. Constituants. La caféine, l'adénine, la xanthine, l'hypoxanthine, la guanosine et les protéines. Les feuilles contiennent un alcaloïde, la caféine. Le péricarpe du fruit contient de la caféine, de l'acide malique, de la mannite, du sucre inverti et du saccharose. Utilisation culinaire. Les feuilles contiennent plus de caféine que les fruits et sont parfois utilisées comme substitut de thé. Le café est largement utilisé comme arôme dans la crème glacée, les pâtisseries, les bonbons et les liqueurs. Les fruits rouges et les feuilles sont mâchés pour leurs propriétés stimulantes. Médecine rurale. Bien qu'il ne soit généralement pas reconnu comme une plante médicinale, le café est un stimulant général très efficace, ayant un effet particulier sur le système nerveux central, améliorant la perception et les performances physiques. Le café est un remède populaire contre l'asthme, l'empoisonnement à l'atropine, la fièvre, la grippe, les maux de tête, la jaunisse, le paludisme, la migraine, la narcose, la néphrose, l'empoisonnement à l'opium, les plaies et les vertiges. Une infusion ou une décoction de feuilles de café torréfiées est utilisée comme stimulant. Également utilisée comme stimulant du système nerveux et de la circulation. En médecine traditionnelle indienne, le café est un palliatif dans l'asthme spasmodique, la coqueluche, le delirium tremens. Le café torréfié est considéré comme désinfectant et déodorant. Utilisé dans les premiers stades de la fièvre typhoïde. Une infusion forte de café noir est utilisée comme antisoporifique en cas d'intoxication par l'opium, l'alcool et autres poisons stupéfiants ou narcotiques. Il est utilisé pour l'administration de quinine et de sulfate de magnésie, masquant les goûts amers et nauséeux des médicaments. Il est également utilisé comme tonique pour compenser les effets du paludisme et comme diurétique dans l'hydropisie. Les baies crues sont utilisées pour les hémicranies et les fièvres intermittentes. Danger. Les graines contiennent de l'acide chlorogénique, qui est un allergène connu.